Après Porto Rico et les Grandes Antilles, Fiona poursuit sa course au nord. La côte atlantique du Canada est à présent balayée par les intempéries. 500 000 foyers sont privés d'électricité, dont 400 000 dans la province de Nouvelle-Écosse, selon les opérateurs. La puissance du vent, avec des rafales à plus de 130 km/h et les fortes précipitations, atteignent des niveaux jamais vus par le passé, selon les services de police. Passée de la catégorie d'ouragan à cyclone post-tropical, Fiona touche également l'île du Prince-Édouard. Selon les services météorologiques canadiens, il pourrait s'agir de la plus violente tempête de l'histoire du pays.